Le Sénégal se qualifie comme le pays de la teranga, la terre d'accueil. Et il se trouve que ce n'est pas simplement une parole en l'air, c'est une réalité. Et au cours de mes différents micro-trottoirs, j'ai rencontré énormément d'étrangers au Sénégal. Et dans ce micro-trottoir, nous allons discuter avec plusieurs d'entre eux, en provenance notamment d'un petit pays d'Afrique centrale, bien nommé le Gabon. Il se trouve qu'il y a au Sénégal, d'après le dernier recensement, 12 000 Gabonais. En réalité, la communauté gabonaise du Sénégal est la deuxième plus grande communauté gabonaise au monde, après celle qui est en France. Pourquoi les Gabonais viennent-ils temps au Sénégal? On va discuter avec plusieurs d'entre eux, ils vont nous expliquer les raisons et vous allez vous-même me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tous les cas les amis, nous sommes au Sénégal, c'est ici que ça se passe, let's go! Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Crinel. Crinel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis juriste de formation, je travaille actuellement en tant que conseiller client dans une multinationale et je suis artiste aussi de passion. Artiste, tu chantes? Non, je danse. Ah ouais, d'accord, tu danses. Tu danses quoi? Je suis un petit peu polyvalente. Je danse des danses traditionnelles, un petit peu de la contemporaine, mais surtout des danses afro. Ça veut dire quoi les danses afro? Bon, le coupé décalé. Enfin, non, les danses urbaines afro house, oui, il y a le coupé décalé. C'est une danse un petit peu qui appartient à la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi des danses urbaines du Gabon, par exemple, comme ce qu'on appelle l'ancham. Le jazzé, le bolo, ce genre de petites choses. Donc tu es une des 12 000 Gabonaises qui sont, enfin des 12 000 Gabonais qui sont ici. Exactement, j'en fais partie. Vous fuyez le Gabon quoi? Non, on ne fuit pas le Gabon, mais disons qu'ici, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir s'épanouir et faire ses études en toute sécurité. C'est pas le cas au Gabon? Pas tellement. C'est-à-dire? Alors, au Gabon, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui permettent d'avoir des accréditations qui soient reconnues par l'Afrique francophone et aussi par l'étranger. Au Sénégal, par exemple, on a le CAMES et l'ANACSUP dans les écoles, que ce soit les écoles de droit ou bien des écoles de médecine. Donc, on a l'assurance en fait, d'avoir des diplômes qui soient reconnus, que ce soit au Gabon ou ailleurs. En fait. Et donc, ça nous incite à pouvoir venir au Sénégal et apprendre, tout simplement. D'accord. Là, tu es en quelle année dans ton parcours? Tu termines bientôt ou tu as terminé? Non, je n'ai pas encore fini, je termine bientôt. Là, j'ai une licence en management juridique et fiscal. Mais après, je compte bien me spécialiser en droit des affaires, si tout se passe bien. Donc, tu es une juriste qui danse? Une juriste qui danse, c'est ça. D'accord. Intéressant. Pas très commun, mais oui. D'accord. Et toi, tu es venue danser ici au Sénégal? Je suis venue apprendre. Non, pas. La danse? Non, apprendre le droit. Mais même le droit, il n'y a pas la faculté de droit, il y a des facultés de droit à Libreville quand même. Oui, notamment l'UOB. Mais ici, à l'UOB par exemple, ce que je peux donner comme exemple, c'est que j'ai des amis là-bas qui apprennent à l'UOB et qui jusqu'à présent n'ont pas encore fini leur cursus. C'est-à-dire ils sont encore en licence 1-2. Il y a cette petite négligence en fait dans l'éducation que je trouve un petit peu déplorable parce qu'on prend beaucoup de temps en fait pour avoir des diplômes qui peuvent s'avoir assez rapidement ici au Sénégal. En fait. Ah, tu veux dire que... attends, vous avez commencé en même temps. Toi, tu as commencé ici. Eux, ils sont restés à Libreville et ils sont en deuxième année. Et toi, tu as fini ta licence. Exactement, c'est ça. Pourquoi? Je trouve qu'il y a peut-être un peu de laxisme. Retard académique, ça? C'est du retard académique, oui. C'est quand même dommage. Il y a un peu de laxisme dans la manière, dans l'organisation, en fait, pour pouvoir faire acquérir les connaissances aux étudiants. Et on sait qu'au Gabon, bon, malheureusement, les dirigeants, en tout cas ceux qui s'occupent de la direction, que ce soit des établissements scolaires ou des établissements publics, ont ce petit problème de négligence en fait et de laxisme et ça s'est quand même un petit peu, on va dire, dorment un petit peu sur leur laurier et ça fait perdre du temps, on va dire, aux étudiants et c'est un peu dommage. Mais c'est grave ça, de fait, on fait perdre des années là. On fait perdre des années effectivement, alors je ne sais pas trop si la réalisation est générale, si la prise de conscience est générale. Mais c'est un fait qu'on constate et qu'on déploie. Personnellement, je l'ai constaté. Et parfois, j'ai même envie que certaines de mes amies viennent ici pour que ça aille rapidement pour eux, en fait. Parce qu'ils perdent quand même du temps. C'est dommage. Mais bon, on espère qu'avec l'arrivée du nouveau président et de toutes les nouvelles opportunités qui soient en train de se présenter en ce moment, il y ait beaucoup plus d'amélioration dans le système éducatif gabonais. Est-ce que tu parles Wolof? Non. Enfin, tout de suite. Quelques petites phrases. Ça fait combien d'années que tu es là? Ça va faire... je suis en train de faire ma cinquième année.
Est-ce que tu n'estimes pas que c'est un manque d'intégration de la part des étudiants comme toi de ne pas apprendre le Wolof quand on sait que le Wolof est un véritable facteur d'intégration au Sénégal? Ça peut être une raison, le manque d'intégration. Et aussi, il y a aussi cette petite chose qu'on est à l'aise avec le français. Et c'est un peu difficile d'apprendre le Wolof. D'après ce que j'ai entendu, en tout cas, le Wolof est une langue pas facile à apprendre. Après, en s'adaptant, il y a des petits mots qui viennent, des petites phrases de tous les jours. Durma, ben pain, par exemple, ça veut dire donne-moi un pain. Durma deux œufs, donne-moi deux œufs. Nyatla, ça coûte combien? Comment ça va, Nangadev? C'est des petites phrases juste pour pouvoir avoir des conversations et se faire un petit peu comprendre des Sénégalais pour les petites choses dont on a besoin, pour aller au marché, pour aller à la boutique, pour prendre le taxi, par exemple, pour aller au cours ou aller au travail. Donc, c'est des petits basiques, mais c'est vrai que parler carrément le Wolof, ça demande quand même un temps d'apprentissage qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai interviewé comme ça des Blancs, ici à Dakar, qui parlent le Wolof, qui enseignent le Wolof et qui l'ont appris en quelques mois. Comment expliquer que des gens comme toi qui sont là depuis 5 ans n'apprennent pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a juste pas une volonté d'apprendre cette langue? Si tu étais en Russie, est-ce que tu aurais fait 5 ans sans parler le russe? Si j'étais en Russie, est-ce que j'aurais fait 5 ans sans parler le russe? Là, je ne sais pas. Je ne pense pas. Si, par exemple, pour aller à l'école, pour apprendre les cours, j'ai besoin d'apprendre le russe, je serais... Pas forcément. Si tu étais dans une école dans laquelle tu peux faire tes études en français, mais tu vis en Russie. Une langue qui t'entoure partout. Comme le cas au Sénégal, hein, le Wolof est partout. Bah, je pense que peut-être que je ne me serais pas trop accentuée pour apprendre le russe si j'ai la possibilité de faire des études en français. C'est vrai que personnellement, je me sens à l'aise avec le français. J'apprends des petits mots en Wolof pour le quotidien, mais j'avoue que je n'ai pas trop de volonté d'apprendre complètement le Wolof pour l'instant, en tout cas comme une langue, comme l'anglais ou comme le français avec laquelle j'ai grandi, ou comme l'espagnol. Est-ce que tu te sens donc intégrée au Sénégal avec des Sénégalais? Moi, je me sens intégrée, même si je ne parle pas Wolof. Hein. Je me sens intégrée parce que les Sénégalais sont très hospitaliers. Même si on ne parle pas le Wolof, la langue n'est pas tellement une barrière en réalité. En fait, ils arrivent quand même à nous accueillir, à nous intégrer. Même quand on ne comprend pas, si par exemple ils partagent un repas, ils vont nous dire « venez manger ». On vient, on mange si possible, évidemment, on partage, même dans les transports, là dans la rue aussi, si on fait des rencontres. Ils sont très ouverts en fait et ils n'hésitent pas à nous guider en fait si on a besoin d'orientation. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je me sens intégrée en tout cas ici. Tu te verrais vivre ici après tes études ou rentrer au Gabon? Je me verrais vivre ici après mes études. En revanche, si finalement je décide de vivre au Sénégal, là, je crois que je vais apprendre le Wolof carrément. Parce que pour tout ce que j'aurais à faire, je pense que j'en aurais vraiment besoin. Donc toi, dans ton esprit aujourd'hui, tu es au Sénégal, tu y restes, tu ne rentres pas au Gabon? Pour l'instant... Pourquoi ce rejet du Gabon? Non, ce n'est pas un rejet, mais je suis surtout à l'affût d'opportunités en fait. Et le Sénégal est un pays très ouvert et qui offre beaucoup d'opportunités, surtout à la jeunesse. Ce qui n'est pas forcément le cas au Gabon, parce qu'au Gabon, par exemple, même dans des postes de responsabilité ou dans des établissements publics, on voit toujours des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui sont assises, qui ne partent pas. C'est un peu difficile, en fait, de voir un renouvellement à chaque fois des travailleurs au niveau des entreprises au Gabon ou bien des structures et d'intégrer la jeunesse, sachant très bien que la jeunesse a un potentiel. Et c'est pourquoi, malheureusement, on voit beaucoup de jeunes qui s'adonnent à des activités telles que du vandalisme au niveau du Gabon, qui se retrouvent dans des bars, dans des boîtes de nuit. C'est simplement, je pense, parce qu'ils n'ont pas forcément les opportunités dont ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir et surtout travailler. C'est qu'en griffe, il n'y a rien à faire. Donc, ils s'adonnent à ce genre de pratiques qui sont malsaines, je pense. Mais ici, au Sénégal, ce n'est pas le cas. Ici, il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit au niveau du travail. Même pour les jeunes, l'employabilité des jeunes est très, très, très forte. Je travaille dans une multinationale et c'est vrai que ce n'est pas dans le cadre de mes études de base. Mais je travaille en fait, parce qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Et même ici, c'est facile. Je ne dirais pas que l'entrepreneuriat est facile en lui-même, mais il y a beaucoup d'opportunités d'entreprendre. Dans la restauration, dans l'événementiel, dans le tourisme, dans le transport même. Il y a tellement, tellement. Pourquoi ? Le tourisme, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici. Il y a beaucoup de voyageurs. Et donc, ces gens ont besoin d'être orientés, ont besoin de guides, ont besoin, par exemple, de découvrir le Sénégal. On peut se positionner là-bas et se dire, voilà, moi, je vais me positionner à ce niveau-là.
et par exemple aider les personnes en tout cas qui aimeraient visiter le Sénégal, à leur faciliter la tâche en mettant à leur moyen des transports beaucoup plus facilement, en faisant des offres groupées, des forfaits faciles pour eux. Ils peuvent aller en région, revenir et partir. Et à cause en fait de l'affluence, c'est facile de se faire de l'argent. Par exemple, dans l'événementiel ici, il y a beaucoup de Sénégalais qui font des fêtes, des baptêmes, des mariages, mais vraiment, il y en a à foison ici, dans toutes les rues. Quasiment toutes les deux semaines, il y a toujours des mariages ou un baptême quelque part. Et là, on peut se positionner aussi à se dire, voilà, moi, je vais me lancer dans l'événementiel et je vais être fournisseur de chaises, de ballons, d'éléments de décoration, de tentes et ce genre de choses, parce qu'on sait qu'il y a de la demande, en fait, ici. Ce qui n'est pas forcément le cas au Gabon. Mais ici, il y a beaucoup d'opportunités pour entreprendre dans la restauration. Les Sénégalais mangent beaucoup, les Gabonais mangent beaucoup, les Ivoiriens mangent beaucoup. Il y a tellement de nationalités ici, c'est tout un brassage qui fait que on peut se positionner. Et même dans la restauration, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de Gabonais ici. Quelqu'un peut se positionner et se dire « moi, je mange la nourriture gabonaise », sachant qu'il n'y a pas ça au pays. Il n'y a pas ça plutôt ici. Et là, on se fait de l'argent. Donc ça, ce sont des choses, des petites choses comme ça en fait, qui n'ont peut-être l'air de rien pour certaines personnes, mais qui encouragent en fait à rester dans un endroit parce qu'il y a des portes, il y a des opportunités et ça aide en fait. À t'entendre, le Sénégal, c'est le pays de rêve de tout étudiant qui voudrait étudier, s'installer quelque part en Afrique. Le pays de rêve. Je n'oserais pas dire de rêve parce qu'on est tous différents et chacun a son point de vue, mais je pense que c'est un bon pays pour étudier et pour s'installer également à cause de toutes les opportunités, de la véracité des enseignements, de la qualité des enseignements, des diplômes également qui sont reconnus. C'est un pays dans lequel on peut décider de faire ses études. C'est un cheval gagnant. Tu te verrais épouser un Sénégalais ? Non. Ah. Tout est bien au Sénégal, mais pas les Sénégalais, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que mes goûts, en fait, pour l'instant, je n'ai pas encore vu un Sénégalais qui y correspond. Quel goût tu as? tu as quelle qualité de goût que 17 millions de Sénégalais? Il n'y a pas dedans un seul qui corresponde. C'est quoi tes goûts? Bon... Tu veux un blanc? Non, oh, du tout, pas du tout, au contraire. Moi, oui. C'est au contraire, ils sont bien noirs. Hein. c'est vrai, ils sont bien noirs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont cette couleur de peau, ils sont bien noirs aussi, oui. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, dans la culture, il y en a beaucoup qui sont de confessions différentes de la mienne. Ça aussi, c'est un blocage pour moi. Tu es quoi? Tu es d'où? Moi, je suis chrétienne. Il y a beaucoup de Sénégalais chrétiens. Oui, tu le sais, ça? Il y a des Sénégalais chrétiens, oui, et c'est déjà un bon point, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut avoir la même vision de la vie, il faut savoir où on veut se positionner, il faut que la personne également nous plaise. Franchement, il y a beaucoup de choses. Hein. Rien des trois points que tu viens de dire ne disqualifie les Sénégalais. La même vision de la vie, non. Il y a des Sénégalais qui ont la même vision que toi, qui te plaisent. Tu peux pas me dire que tous les Sénégalais chrétiens, aucun ne te plaît, tu ne les as pas tous vus? Non, oui, mais c'est ce que je dis mais, en fait. Mais tu as déjà dit que non aux Sénégalais. Non. Tu n'es même pas ouverte. C'est pas que je ne suis pas ouverte. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu un Sénégalais qui fasse la chose qu'il faut, quoi. Ou alors c'est toi qui n'intéresse pas les Sénégalais? Ah non, je ne dirais pas ça. Au contraire. Mais j'ai pas encore pour l'instant vu de... Donc dans les 12 000 Gabonais qu'il y a ici, par contre... Bon, en fait, tu fais du communautarisme, tu veux rester avec un Gabonais? Je fais pas du communautarisme, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a les Congolais aussi, il y a les Ivoiriens aussi. Il y a beaucoup de nationalités, hein. Il n'y a pas que des Gabonais, hein. Franchement. Alors, tu es ouvert à tout le monde, mais Sénégalais, non? Non, c'est pas... C'est pas ça, je suis ouverte, mais pour l'instant... Ah, je vais te mettre dans les problèmes ici. Ah, ça c'est problème, même tu me mets, hein. C'est ton problème, tu me mets comme ça. Mais en tout cas, les Sénégalais ne sont pas disqualifiés en tant que tels, c'est juste que... Ils partent de plus loin. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est... De continuer à servir mon Dieu, le Dieu que je sers, c'est le Seigneur, et je suis fière de le servir, de continuer dans cette lancée, et voilà, et de ne pas me détourner de ses voies. Ça, c'est le plus grand soin qu'on puisse me faire. Merci beaucoup. Merci à toi.